Il va y avoir du sport. 6-9 la matinale, matin sport. Sport. Maman du Bol, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par cette énième provocation du Marzan. Vous avez raison de dire énième. Je reviendrai sur les différentes provocations du Marzan quand il y a des confrontations où l'Algérie est engagée. On fait sortir le match de son contexte purement sportif pour le mettre sur, pour le placer sur un contexte politique. Que s'est-il passé? L'équipe de Berkane, je rappelle, le président n'est d'autre que Lakhdja, le président de la Fédération marocaine de football. Disons-le, ce dernier aujourd'hui a pris une place prépondérante au sein du comité exécutif de la CAF, puisqu'il est membre du comité exécutif. Je vais revenir sur deux faits. Le premier, rappelez-vous, la Coupe d'Afrique des Nations en salle. Voilà que les sites sont déterminés, les lieux où doivent se dérouler la compétition. Le Maroc décide de faire jouer des matchs en territoire occupé, au Sahara occidental. L'Algérie donne le la et se retire de la compétition pour des principes inaliénables sur l'autodétermination du peuple sahraoui, suivi par l'Afrique du Sud. Deuxième exemple, c'est en handball, où une ville également, en territoire occupé, est choisie pour abriter une compétition. L'Algérie se retire de la compétition, d'ailleurs, juste à titre de mémoire, ça évalue les sanctions à l'Algérie. Mais peu importe les sanctions, l'essentiel c'est de rester droit dans ses bottes et de ne pas céder aux manipulations, aux provocations du Marzan. Aujourd'hui, que s'est-il passé? L'équipe de Berkane arrive à l'aéroport Ouali Boumediene et voilà que dans leur bagage, des maillots de compétition floqués du drapeau marocain avec les territoires annexés du Sahara occidental. Que dit la réglementation? Il est intéressant de revenir sur la réglementation. Eh bien, tout signe ostentatoire de message politique est interdit, comme le stipule la réglementation, que ce soit en coupe de la CAF, sur les statuts de la CAF et les principes également de la charte olympique. Je rappellerai juste que la CAF avait agi très rapidement alors que l'amazigh est une langue reconnue en Algérie. La JSK en finale de la coupe de la CAF avait écrit JSK en amazigh. Eh bien, ils avaient demandé à retirer des maillots, c'est de changer de maillot. Mieux, l'USMA d'Alger a pris ses dispositions pour dire « Voilà, nous vous avons préparé des maillots avec, s'il y a un problème, avec le drapeau marocain. Tu, vous pouvez jouer. » Pour vous dire que c'est une provocation pure et simple, orchestrée, manipulée. Que disent les dirigeants de Berkane? On n'en veut pas. Une nouvelle fois, le Marzan engage un match, le sport, sur le terrain politique. En pensant pouvoir ébranler, perturber. Mais je peux vous dire que non, l'Algérie ne bougera pas d'un iota sur les questions de principe. Juste pour nos auditeurs, on va écouter Lady Hamel, qui a été conseiller du président de la CAF sur justement la réglementation. Il est contacté par Erdouane Bendeli. La CAF ne peut pas leur donner, ne doit pas leur donner. Il faut respecter strictement la réglementation en la matière. Ce n'est pas à la CAF aujourd'hui, c'est plutôt le commissaire de match qui doit interdire le port de ces maillots qui sont porteurs d'un message politique. Or, les messages politiques, ethniques ou religieux sont complètement proscrits dans la réglementation et les statuts, non pas seulement de la CAF, c'est une réglementation de la FIFA, valable pour la terre entière et pour les 40 millions de matchs qui se déroule dans le monde, il y a lieu de respecter cette disposition. Le président de Berkane est un homme influent à la CAF. Malheureusement, comme la CAF est gravement affaiblie, eh bien, il fait un peu ce qu'il veut. Il est en même temps président de la commission des finances, il est vice-président, il est membre du conseil de la FIFA et accessoirement, il est président de Berkane. Il est déjà l'auteur de plusieurs provocations. Et là, il s'agit de la prendre en tant que telle et de la rejeter. C'est une provocation inadmissible et inacceptable. Voilà, ça résume très bien la situation. Alors, on attendra bien évidemment ce soir. Est-ce que le match a lieu ou pas lieu? Peu importe. L'essentiel, c'est de rester droit dans ses bottes. On va enchaîner avec la Coupe d'Afrique des clubs, compétition qui se déroule en Algérie. Compte rendu, Lotfi Benidir.
On retient la qualification de 4 clubs algériens chez les messieurs, ce qui sous-entend qu'on aura au minimum un club algérien en demi-finale. D'abord, le Handball Club d'El Bihar qui termine à la tête du groupe C après sa deuxième victoire de suite face à la JS Kinshasa sur le score de 37 à 23. Et sur cette qualification, on écoute l'entraîneur du Handball Club d'El Bihar, Lamine Sahli. C'est notre première participation à tout à fait pour notre club d'El Bihar. Je suis très satisfait de mes joueurs pour leur rendement, pour leur sécurité dans le match. Maintenant, on va penser à la récupération pour bien préparer le match. Dans le groupe B, deux clubs algériens se sont qualifiés, en l'occurrence l'Olympique d'Ain Daba qui a terminé à la première place avec un total de 4 points, suivi du Chabab de Mila qui est parvenu à se qualifier avec un point après son nul face au Red Star de Côte d'Ivoire. On écoute l'entraîneur du Chabab de Mila, Ali Benlecheb, au micro de Zoubir Zakaï. الدور ربع النهائي ما تفرقش هذه اول مشاركه للنادي تشرفنا بهذا الاستدعاء في اخر لحظات الحمد لله شاركنا وحققنا نتيجه ايجابيه لقينا بعض المشاكل البدنيه خاصه من جانب البدني من اثرت على مرضى اللاعبين من الصعب انك تلعب زوج مقابلات في 24 ساعه مع السفر كان اكثر من 12 ساعه الحمد لله احنا راضيين بهذه النتيجه Enfin, l'espérance de Skikda qui s'est qualifié à la deuxième place dans le groupe A après sa défaite face à la formation d'El Ahly d'Égypte sur le score 30 à 19. Seule l'espérance d'Ain Touta quitte donc la compétition. Voilà, donc concernant le handball, on enchaîne sur la boxe, la qualification finale. La boxeuse algérienne Imen Khalif, qui s'est qualifiée au tournoi final du Colorado, deuxième étape de la World Punk Cisco, en battant l'américaine Morel Kane. C'est de bon augure avant les Jeux Olympiques. Et puis, Kéliane Emour, elle nous donne. Alors, au bar asymétrique, c'est sa spécialité. Mm-hmm. Et là, elle vient de remporter une médaille d'or au sol, pour le compte de la quatrième et dernière étape de la Coupe du Monde. Kéliane Emour, pour Imen Khalif également. À Doha. Elle est âgée de 17 ans, elle a obtenu la note de 13 700 devant son allant de la Britannique Ruby Evans et l'Espagnol Clara Casabuena. Voilà donc pour l'essentiel des résultats. Et je rappellerai également qu'en match de coupe de la Champions League africaine, le Ahly du Caire et le tout-puissant Mazembe, ça s'est joué au Congo, ont fait match nul 0 à 0. Merci Mamadou Bourg, c'était l'essentiel de l'actualité sport pour ce dimanche.